je fais moi-même de la moto depuis un certain nombre d'années, j'ai toujours été scotché par les gens, la vraie population que représentent les bikers en France. J'ai découvert ce monde-là, moi, il y a de nombreuses années maintenant, et je n'ai vu en 20 ans que cette population se multipliait. Et je trouve ça assez étonnant qu'il y ait comme ça une autre société, qui est celle des motards, et qui sont pas des motards 24 heures sur 24, qui peuvent être dentistes, avocats, plombiers, zingueurs, et qui, le week-end ou en vacances, se déguisent en voyous pour faire de l'Harley Davidson. Alors, est-ce que c'est vraiment un déguisement? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans de beaucoup plus profond, ce que je crois? Tout ça est très codé. Il y a comme une société en marge de la vraie société, et c'est ces gens-là que j'avais envie de montrer. Les bikers sont nés avec le club des Hells Angels, apparu aux États-Unis à la fin des années 40. Leurs pères fondateurs sont des vétérans de l'armée de l'air américaine, les héros des combats aériens contre les chasseurs bombardiers japonais et nazis. À la fin de la guerre, tous ces héros de l'aviation se retrouvent un peu laissés pour compte, en marge de la société de l'époque. En plus, il faut bien avouer qu'après quelques années de combats aériens, tous les survivants se retrouvent aussi un peu sevrés d'adrénaline. Il y a eu de la vitesse, le sentiment de liberté qu'offre la possibilité d'être aux commandes d'un avion. Et oui, ils aiment les moteurs et l'odeur de l'essence. Alors tout naturellement, ils se regroupent tout en se tournant vers la moto pour créer une organisation sur le principe quasi-tribal et qui conserve un semblant d'hiérarchie militaire et dont le nom est un hommage aux forteresses volantes de l'US Air Force dont les bombes faisaient trembler l'ennemi pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Hells Angels constituent donc le premier club de motards de l'histoire. En anglais, Motorcycle Club, ou tout simplement MC. Jusqu'à la fin des années 50, les Hells Angels restent un petit groupe de motards en marge de la société. Les autorités ne les aiment pas beaucoup, mais les tolèrent parce que, en vrai, ils ne représentent finalement pas de réelles menaces. Les bikers ont la peau dure. Non seulement les principaux MC créés à cette époque existent toujours aux États-Unis, les Hells Angels évidemment, mais aussi leurs plus grands rivaux regroupés au sein d'un autre MC, dont l'influence s'étend également sur toute la planète, les Bandidos. Il y a bien sûr d'autres motard clubs de par le monde, mais leur importance est moindre. La France n'échappe pas au phénomène, et ici, les clubs Hells Angels, Bandidos et d'autres moins connus sont très vivaces et totalisent des milliers de membres, tous clubs confondus. Il y a effectivement de très nombreux MC en France qui font chacun leurs propres règles et modes de fonctionnement. Certains sont très fermés et honnêtement, c'est assez compliqué d'y entrer. Mais d'autres comme le HOG, Harley's Honor Group, regroupent tout simplement des amateurs de gros cylindres. Leurs membres se regroupent ensemble pour faire la fête, rouler en groupe, se balader, échanger des trucs et des astuces pour leur machine. Le HOG, c'est une grande communauté, puisqu'on compte à peu près 1 million de membres dans le monde entier, qui est née aux États-Unis en 83 pour se rapprocher de nos clients. Depuis 83, ça ne fait que grossir dans toute l'Europe, dans le monde entier. Ça nous fait 17 000 membres en France, et 35% qui sont intégrés dans les chapters. C'est avant tout des gens qui vont se rassembler pour vivre leur passion, une vraie liberté et vivre des expériences différentes, quoi. En fait, une vie différente. C'est très étonnant de penser que il y a des types qui vivent Harley-Davidson. C'est le truc le plus tatoué dans le monde. C'est le premier club mondial. Et surtout, ça réunit tout un tas de gens d'univers totalement différents. Et il y a autour de l'Harley une étrange population qui se mélange. Les gens sont vachement seuls. Ils achètent une bécane, ils veulent rouler. Mais je roule comment? Avec qui, etc. Quand j'étais plus jeune, c'était bon, il y avait le Bol d'Or, les Castellettes, les Spa, Francorchamps. Les gens qui achètent une Harley, où est-ce que je roule comment? Surtout sur Paris. Et ils viennent pour ça. Et ils sont ravis. Le samedi, j'arrive, il y a des potes, je peux partir, on met la poignée et on se vide la tête. C'est une des rares bécanes, je trouve, il y a des rares clubs, le HOG, où tu arrives, t'as la banane. Alors nous, c'est zéro prise de tête. Tu arrives, tu laisses tous tes problèmes à la porte. Tu laisses ton métier, tu laisses... on s'en fout complètement.
c'est zéro prise de tête. C'est passer le meilleur moment possible, soit une heure, deux heures ou un week-end ensemble. On rigole, on fait les fous, on est des gamins. Un côté gamin, si tu veux, qui est vachement important. Quoi. Et ça, c'est pour ça que le Hog me plaît beaucoup. Tu retrouves une âme de gosse. Il y a une mode qui suit un courant de pensée. Au même titre que j'ai l'impression que dans les années 70, la mode hippie épousait un courant de pensée qui était love everywhere. Aujourd'hui, c'est arrêter de nous emmerder. Et je crois que ça vient de là. Je crois qu'il y a de plus en plus de gens, et a fortiori des hommes, qui considèrent qu'on vit dans une société liberticide. Et là, on ne parle pas seulement du paysage français, on parle du paysage mondial, où petit à petit, on vient renier sur les libertés individuelles et que ces gens-là ont de plus en plus envie de montrer qu'ils sont libres et qu'ont envie de vivre en clan avec des gens qui leur ressemblent. Et cette envie de liberté-là, elle s'exprime pour certains à dose homéopathique. Ça va être s'habiller en loubar le week-end pour aller faire de la moto. Et pour d'autres, elle devient quasiment vitale. Et on a des types qui sont des types très bien et qui deviennent tout à fait antisociaux. Et moi, je vis en bande depuis que j'ai 12 ans, quoi. Enfin, tu vois, moi, je suis d'une famille, comme on dit, même pas recomposée, quoi. Décomposée, tout simplement. Enfin, tu vois, mon père, il s'est barré, j'avais 4 ans. J'ai grandi dans une cité. Enfin, tu vois, moi, ta mère, elle est au boulot, tu t'emmènes à l'école tout seul, tu te ramènes à l'école tout seul. Et avant qu'elle rentre du taf, bah, t'es en bas de ton immeuble, quoi. Donc moi, j'ai toujours vécu en bande, quoi. Très jeune, j'ai fréquenté que des gens, entre guillemets, de la rue, quoi. Du coup, j'étais amené à faire pas mal de conneries, on va dire ça comme ça. J'étais dans le milieu du foot avant, parisien, donc forcément du côté obscur, Tribune Boulogne, les bagarres. Passé que je ne renie absolument pas, parce que c'est sûrement ce qui a fait que je suis devenu ce que je suis maintenant. Et que chez les Bandidos, peut-être même dans d'autres clubs, on va dire 1%, il y a beaucoup de gueules cassées, on va dire. Moi, je suis devenu une gueule cassée à cause de mes choix de vie, à cause des choses que j'ai subies. Cette putain de société aujourd'hui, fait que tout le monde vit reclus chez soi. Et nous, au contraire, nous, on vit, on est bien qu'ensemble. Un bandit qui est seul chez lui, c'est chier. Un vrai bandit, bah, il va être au club, c'est la famille, la femme, les enfants, ses frangins, et puis tout ce qui va avec, tout ce qui tourne autour. Au début, je dois le dire avec honnêteté, hein, moi, j'étais empreint de préjugés par rapport à ce milieu, parce que c'est une image, tu sais, assez caricaturale qu'on peut avoir vue de l'extérieur. Et là, je me dis, j'atterris, alors j'en savais ce que j'en avais lu, enfin, tu vois, je m'attendais au pire aux grosses bedaines à barbe. Je savais pas. Et je suis venu passer un week-end, et j'ai pris une claque, quoi. Tous mes préjugés ont volé en éclats au bout de 2 heures, quoi. Tu dis, mais en fait, ouais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce que j'en pensais, ce que j'en savais, ce que j'en avais entendu. Enfin, si tu te limites à la partie visible de l'iceberg, qui est celui que les médias voient, et donc celui que les médias relaient avec tous les poncifs qu'on peut avoir systématiquement dès qu'il s'agit de clubs de moto, et là en particulier de clubs 1%. Et moi, j'arrive et je suis accueilli par des mecs qui avaient qu'une envie, c'était d'y retourner, quoi. Chaque club, chaque MC possède un nom bien particulier et des symboles qui lui sont propres, avec une hiérarchie définie par des grades qui se retrouvent cousus sur les cuirs des membres du club. Cette appartenance au groupe, au clan, ne peut s'usurper et il peut être dangereux de vouloir s'approprier des couleurs sans pouvoir les justifier. Les MC sont très à cheval sur le sujet de l'appartenance. Parmi eux, les Bandidos, l'un des deux plus grands clubs MC de la planète. Être un Bandidos, cela se mérite. Parmi tous les patchs cousus sur les cuirs des bikers, s'il en est un très particulier et que tous les motards clubs ne peuvent se permettre d'arborer, le 1%. Voici son histoire. Lors d'une concentration motocycliste à Hollister, aux États-Unis, pendant la fête d'indépendance américaine du 4 juillet 1947, des troubles mettant en cause des motards se produisent et furent exagérés par des journalistes, ce qui provoqua une couverture médiatique à la fois nationale et internationale de l'événement. En réponse à cela, le président de l'American Motorcycle Association, l'AMA, déclara que seuls 1% des motards étaient des fauteurs de troubles, et d'où l'origine du label 1%, auquel de nombreux bikers sont fiers de proclamer leur appartenance et l'affichent fièrement. MC 1%, ça veut dire beaucoup et rien à la fois pour certaines personnes. Chacun a sa propre définition. Il y en a une vraie dont je ne suis pas là pour vous parler de ça. Moi, j'ai ma façon de vivre
moins de pourcenteur, hein, comme on dit. Chacun, je ne vous en parlerai pas. Il y a des gens qui seront peut-être aptes à plus vous l'expliquer que moi. Je ne me permettrai pas de parler de ça. 1%, c'est, si tu veux, c'est la petite différence qu'il va y avoir entre un club de pépère et puis un club où les mecs, où il y a un peu de la durite, où il y a un peu de mecs qui ont un peu de caractère, quoi, si tu veux, un peu plus que du caractère. C'est la vie qui t'amène à ce chemin-là. Après, c'est pas d'un seul coup, tu t'inventes une vie et puis ça y est, tu as envie de rentrer dans un club et tu as envie de faire partie du club 1%. Moi, je pense que c'est plus une histoire de confiance, une histoire d'homme, une histoire de savoir vivre, d'éducation, de cœur, d'avoir les mêmes idées. Déjà, la même passion, déjà, c'est la moto nous unit déjà. Je pense que la moto, pour les bikers, est une soupape de liberté. Alors, à plus ou moins grande échelle, il y en a qui font ça que le week-end, mais enfin, c'est déjà pas mal d'avoir 2 jours d'air par semaine. Et puis, il y en a d'autres qui vivent comme ça. Alors là, on parle des grands clubs, et eux, ben, c'est un mode de vie. Mais il est très enviable, finalement, parce qu'ils ont... C'est se libérer d'un certain nombre de contraintes. C'est la raison pour laquelle ça va être très compliqué un jour d'imposer le gilet fluo, par exemple, aux motards. Là, je leur souhaite bon courage. Se réduisent au fur et à mesure. Ils vont bientôt nous mettre des gilets jaunes, ça va être complètement ridicule. Il va falloir faire de la résistance, tout simplement. Et pas accepter tout ce qu'on nous impose. Tout simplement. C'est plus comme avant. Avant, il y a 25 ans en arrière, tu roulais, t'as personne qui te disait rien. Quoi, tu vois. Puis à mon avis, le permis était quand même plus facile à avoir. Mais moi, j'ai peut-être roulé, il y a prescription maintenant, mais peut-être 10 ans sans permis. Je crois que c'est le manque de liberté mondiale qui pousse certaines personnes, beaucoup en l'occurrence, à copier les codes de ce qui, pour moi, est une des dernières libertés, c'est la moto. Je ne suis pas non plus dans le plaisir d'être illégal. C'est juste qu'on prend le luxe de s'en détacher. C'est-à-dire, bien sûr, quand tu te manges une amende ou quand tu te fais emmerder, c'est pas ton kiff, tu prends pas ton pied. Mais nous, on décide de ne pas s'y soumettre. Voilà. Quand tu payes pas les péages, tu prends ton pied. On décide. En fait, c'est pas le côté hors-la-loi, mais c'est le côté transgressif. Ouais. Ouais. Le côté transgressif, bien sûr. Puisqu'on nous réduit toutes ces libertés, on essaye de s'en donner un tout petit peu plus. D'en reprendre un peu. On est tous prisonniers de quelque chose. Ouais. On n'est pas libre. Hein. On cherche. Alors, il faudrait que j'ai un dictionnaire ou sur le téléphone dire qu'est-ce que c'est la liberté. Un gros mensonge. Ouais. Le plaisir de la moto, de rouler, la liberté. Pour moi, t'es libre comme tu roules, c'est un bonheur. Les barrières sociales, elles tombent. Quand on est ensemble, on est ensemble. C'est du contact humain tous les jours, c'est des discussions, c'est de rouler ensemble. Si t'as pas assez de passion à l'intérieur de toi-même, ça peut pas fonctionner. C'est une forme de liberté, je sais pas trouver des mots sur tout ça, mais c'est grandiose, c'est quelque chose qui... Ça fait chaud au cœur, C'est beau, c'est un moment magnifique de ma vie. C'est quelque chose que j'oublierai sans doute jamais, quoi. Je pense que c'est une libération, quoi. Ça nous permet, c'est un moyen qui permet un peu de m'extérioriser. Le fait de marcher en formation, moi, j'ai des frissons chaque fois. J'ai le corps qui est transcendé par des frissons, quoi, tu vois. Le côté fratrie, le côté être en bande, se sentir aussi un peu invincible. On partage un truc sur la route qu'il faut le faire pour savoir. C'est comme pour découvrir un pays. Si tu vas pas, tu vois pas. Tu peux pas savoir ce que c'est que d'être père avant d'avoir eu un fils. C'est pareil. Tu peux pas le vivre. Il faut le vivre, le truc. Il n'y a pas d'autre solution. C'est vraiment un moment où on se coupe complètement de notre famille. Quand on roule, il y a un truc magique. On est plein de... Pleine de sensations d'être sur notre moto. On vibre d'écouter la moto de notre ami, de la voir, de la voir rouler, de l'écouter, de la vie. Voilà, c'est... L'amour, les enfants, on a tout ça. Et je crois qu'on a besoin d'autre chose. On a besoin d'une soupape, d'avoir cette liberté de dire « et merde ». Et se regarder et dire « putain, mais on kiffe encore le truc ». La première grosse sensation, c'est de rouler tous ensemble. À l'époque où tu vois des gens qui roulent de leur côté,
Là, d'un coup, tu trouves une équipe où on roule tous ensemble, on fait bloc, et tu t'aperçois que c'est extraordinaire. Tu es plus seul. Tu es plus en galère tout seul au bord de la route. Je suis pas mal en galère, moi. Donc, j'aime bien quand j'ai mes frères qui restent avec moi. Ça, c'est magnifique. Et de voir les autres, tu sais. Des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est bien? Qu'est-ce que ça, la moto lui va bien? Tu te regardes pas, toi, tu partages le bonheur de tes potes. Toute cette fraternité, cette amitié, tous ces moments. Moi, ce que j'aime avant toute chose, c'est quand on est tous ensemble, qu'on se regarde dans le rétro, qu'on voit nos couleurs. Il y a ce vent de liberté, cette respiration, ça, personne ne nous l'apprend. Tu penses plus à rien. Tes soucis de boulot, tes soucis de famille, tes soucis, tout ce qu'il peut y avoir. Là, tu es sur ta moto, tu penses qu'à ta moto, à passer la soirée avec tes potes, tes frères. Et c'est que du bonheur. Faire la route seul, c'est une chose. Il y a énormément de plaisir. On peut en tirer énormément de plaisir. Et faire la route avec ses frères, c'est autre chose parce qu'en fait, on partage la route. On partage le voyage. C'est cette sensation-là qui manque dès qu'on n'est pas ensemble, quoi. À l'heure où tout est de plus en plus édulcoré, je crois que ces gens-là ont envie de revenir aux vraies valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle rebelle? C'est compliqué, mais je crois que c'est une rébellion de vraies valeurs. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est qu'en réalité, on a envie de revenir presque aux 10 commandements. C'est-à-dire à des choses qui sembleraient essentielles humainement, qui sont la fraternité, la liberté, le respect. Toutes ces choses-là qui ont tendance au quotidien et dans le monde professionnel et dans la vie à disparaître. C'est assez bizarre de constater qu'on était finalement plus libre sous De Gaulle qu'on l'est aujourd'hui à tout point de vue. L'interdiction de la cigarette, le port du casque, le port des gants maintenant, la limitation de vitesse, etc. Et puis tout un carcan qui finalement ont l'air d'étouffer tous les bonhommes qui restent sur cette terre. Et il y en a parmi eux qui ont décidé de faire fi de tout ça et de montrer une forme de rébellion. Oui, je crois que c'est presque une rébellion. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière. Voilà. Je crois qu'il y a en fait une véritable envie de liberté. Et c'est en ce sens-là que ces types-là sont rebelles. C'est pas le rebelle de la société, le gang, le ceci, le cela. C'est le rebelle de la liberté. T'as envie d'être libre, tu fais de mal à personne. T'as ta machine, t'emmerdes personne. Ben franchement, je préfère moi me regarder le matin en tant que bandidos, me regarder dans une glace, parce que vous allumez le journal télévisé, les plus bandits, je sais pas qui c'est. Si c'est nous ou si c'est eux. Parce que vous regardez toute la classe politique, quel bord qu'elle soit, tous les jours, on entend des vertes et des pas mûres. Avec tout ce que tu peux entendre autour de nous en politique ou autre chose ou quoi que ce soit, c'est pas notre politique, mais c'est de se dire, au moins, on essaie de sortir un peu de ce système. Je pense qu'aujourd'hui, on est un peu tous stressés quand même. On vit dans un monde où on est complètement stressé. Si tu te mets à parler boulot, c'est souvent la cata. On est tellement dans une société qui est policée, avec des assurances, des assistances partout, que ce soit dans ta vie professionnelle, ta vie personnelle, etc. D'ailleurs, tu prends une médecine, tu assumes. Tu pars, tu te vides la tête, tu penses à rien. C'est vrai. Et voilà, quoi. Et ça, c'est un privilège. Hein. Quand tu roules, que tu as des couleurs, t'arrives dans un petit village et qu'on a tous les mêmes couleurs, t'as 18 gars qui arrivent en mécane, tu sors du cadre, automatiquement tu sors du cadre. Et à moi ça fait kiffer quand même. C'est toujours la même histoire, il faut avoir des règles pour pouvoir avoir le plaisir de les transgresser. C'est ce que j'essaie d'expliquer, ce qu'on devrait essayer d'expliquer à nos enfants. Une fois qu'on connaît les règles, là, il y a de la jouissance à les transgresser. Mais dans une société qui n'en a plus ou qui en a des fausses, alors il y en a qui reviennent à des valeurs premières. Et c'est celles-là que les gens ont finalement envie d'appliquer. Alors c'est un peu curieux parce qu'il y a une aspiration à la liberté et en même temps, il y a une hiérarchie. Mais tout le monde a bien conscience de cette hiérarchie qui est une hiérarchie démocratique puisqu'il y a un président qui est élu les trois quarts du temps, un sergent d'armes qui est là pour faire respecter un peu les règles, etc., etc. Mais tout ça est choisi, donc est fait de manière tout à fait démocratique, mais après est respecté. Parce qu'on sait que la vie en communauté exige de l'organisation. Ça ne veut pas dire qu'un président a un droit de vie ou de mort sur ses membres, loin de là, mais c'est juste un type qui est chargé d'organiser pour les autres, au même titre que le sergent d'armes, que le road captain qui va sentir voilà, la route qu'il faut prendre et qui va la montrer. C'est un peu ça. Il y a cette idée de,
pirates de la route, ces mecs qui ont leur code, leur fraternité, leur solidarité, qui sont un peu en dehors des sentiers battus, quoi, qui sont pas dans les clous, quoi. C'est complètement contradictoire puisque on sort du cadre et on est un petit peu dans la marginalité, sauf que tu respectes les règles. Donc oui, c'est complètement fou. Tu rentres dans un cadre où tu respectes, où tu as des règles et c'est plus clair. C'est plus clair, c'est beaucoup plus clair. Même. Ce sont des lois qui sont faites pour nous et par nous. C'est-à-dire c'est quoi? C'est respecter son ami, c'est pas voler la veuve et l'orphelin. C'est pas piquer la femme de son voisin. C'est des choses qui sont tellement essentielles et finalement vitales, parce que quand on se retrouve entouré d'hommes comme ça, pour les hommes comme pour les femmes, il y a quelque chose d'infiniment rassurant. On se dit, tiens, il peut rien m'arriver avec ces types-là. Alors que partout ailleurs, on sait très bien que les coups viennent de partout et qu'il n'y a rien de sûr, et dans nos travails et dans la vie en général. Donc je pense qu'il y a quelque chose là-dedans, de refuge aussi, évidemment. Il y a une envie d'indépendance. À la limite, avoir nos règles, à nous, et plus les règles de la société. Ou en tout cas d'avoir le choix de pouvoir passer de l'une à l'autre. C'est une forme de liberté aussi. Eh bien, disons que quand tu es à partir d'une quinzaine, vingtaine ou quoi, il faut quand même avoir des moments de lucidité pour pouvoir gérer tout ça, parce que bon, c'est pas évident. Mais tu t'aperçois que quand tu es une trentaine à rouler sur la route, tu es obligé d'avoir des gens qui gèrent, qui encadrent un peu. Sinon, trop de liberté, trop de cul à liberté, ça serait une catastrophe. Oh, tu gères la connerie aussi, hein, donc ça, c'est pas un souci, quoi, tu vois. Donc, mais il faut quand même avoir une certaine réglementation, tu vois, parce que de toute façon, sinon, c'est évidemment, c'est la débandade. Dans un monde devenu liberticide, dur, insensible et globalement fermé aux individualités anticonformistes, être un biker, c'est donc affirmer, afficher une volonté rebelle et libre qui refuse de se déployer sous la pression d'une société trop bien pensante. Dans une certaine mesure, les bikers du 20e et 21e siècle ne sont pas si loin de la philosophie et du credo pirate que l'histoire officielle a voulu faire passer pour simple phénomène de brigandage. On retrouve le symbole des pirates. C'est-à-dire que on ne se reconnaît pas dans tous les codes de la société qu'on nous impose. On crée une société dans la société. C'est pas pour rien que les bandidos à travers le monde s'appellent la nation bandidos. La nation, c'est un mouvement fort. C'est qui considère que voilà, la société dans laquelle ils se trouvent, c'est celle des bandidos. C'est pas alors évidemment avec l'intelligence requise. C'est-à-dire qu'on sait très bien dans quel pays on se trouve et quelles sont les lois qui y sont imposées. Et en général, en tout cas, je le souhaite, elles sont respectées. On parle pas de pirates qui tuent et qui pillent. Hein. On parle juste de gens qui sont philosophiquement inscrits dans un autre cadre. C'est ça la volonté de devenir biker. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, toutes les monarchies d'Europe, qui sont pourtant régulièrement en guerre les unes avec les autres, décident toutes, dans la même décennie, d'éradiquer totalement les pirateries. Pourquoi ? Parce que les pirates que ces mêmes monarchies ont pourtant utilisés sans compter pour en faire des alliés momentanés dans toutes les petites guérillas qui ont animé le territoire des Caraïbes deviennent à la longue un exemple extrêmement gênant pour ces mêmes vieilles monarchies. En effet, les pirates, qu'on représente facilement comme des bandits sanguinaires à la vue basse, sont en réalité non seulement les promoteurs de la démocratie, puisque pas moins de 3 républiques pirates sont fondées sur la planète en moins d'un siècle, mais encore les inventeurs de l'autogestion. Ces hommes et ces femmes qui ont quitté leur robe pour venir courir l'aventure aux Caraïbes, et qui ne sont pour la plupart du temps pas des marins, sont en revanche des rebelles, des asociaux, qui ont quitté leur pays parce que les règles politiques qu'on y pratiquait ne leur convenaient pas. Ils ont alors fondé les clubs, qu'on a appelés des équipages, qui avaient leur couleur. Chaque pavillon noir étant spécifique d'un équipage et d'un capitaine pirate. Tous les membres de l'équipage se devaient d'obéir à un code de conduite très précis, dans lequel les mêmes idées de fraternité, de loyauté et d'égalité étaient fondamentales. À telle enseigne que, par exemple, tous les butins étaient distribués à parts rigoureusement égales
quels que soient leurs âges, les grades et les couleurs et les nationalités des membres d'équipage. Si les Hells Angels sont à l'évidence les pères fondateurs des bikers du monde entier, les pirates tels que John Rackham, Edward Teach, plus connu sous le nom de Barbe Noire, Anne Bonny, La Rousse Flamboyante ou encore Henry Morgan, ou tant d'autres sont à l'évidence leurs aïeuls. Les bikers sont les pirates modernes qui, comme leurs ancêtres, ont ce besoin viscéral de liberté, d'égalité et de fraternité qui caractérise leurs mouvements respectifs. On n'est pas si loin que ça du délire autogestionnaire, communautaire, au sens presque hippie du terme, si tu le débarrasses de tout le pendant babacool, non-violent à la con, enfin tu vois, parce qu'on n'est pas non-violent, clairement, enfin tu vois, mais je veux dire, c'est l'organisation que j'ai trouvée, enfin, tu vois, l'organisation par la responsabilité collective. L'anarchie, c'est le stade ultime de l'organisation. C'est le moment où tout le monde sait ce qu'il a à faire, à tel point qu'il n'y a plus personne qui a besoin de dire « fais ci, fais ça ». Enfin, tu vois, c'est l'ordre moins le pouvoir. C'est que c'est des gens qui, sans le savoir, appliquent des principes éminemment libertaires et forcément avec des valeurs qui, moi, me correspondent d'amour, de loyauté et de respect. À un moment donné, il y a une entité supérieure, le club, avec un, qui fait que ça transcende tout le reste. Mais c'est même plus qu'une famille, c'est un espèce de mode, enfin c'est un mode de vie réellement, quoi. En termes de valeurs, en termes d'organisation, en termes de conviction, c'est une espèce de plénitude, quoi. Les mecs vivent l'autogestion sans même savoir que c'est ça, que ça s'appelle comme ça, quoi. Si ce mode de fonctionnement interne de respect, d'amour, de loyauté, de fraternité te convient, c'est un univers qui s'ouvre à toi, quoi. Ce qu'on appelle la fraternité, c'est partager ensemble les mêmes valeurs. Et qui sont effectivement des valeurs qui paraissent naturelles et essentielles. Il s'agit de ne pas piquer la femme de son voisin ou de respecter son frère, puisqu'il s'appelle frère. C'est finalement une famille qu'on choisit. C'est pas pour rien, le mot frère, il existe d'ailleurs dans tous les grands clubs, autres que les clubs motards. Les francs-maçons s'appellent de la même façon, certains ouvriers aussi dans des confréries. C'est une famille qu'on choisit. C'est-à-dire, on a tout d'un coup, on grandit avec un nombre certain de valeurs qu'on croit essentielles, et on trouve des types, alors au travers la moto, qui partagent les mêmes. Le fait de partager des valeurs, c'est une chose, et puis aussi le fait d'avoir des gens autour de toi qui se sentent concernés, ne serait-ce quand il t'arrive quelque chose, quand t'as un problème, qui se sentent sincèrement concernés, surtout, c'est sincère. Tu te retrouves avec des mecs, ils sont tes frères, ça peut paraître puéril, mais ils se sentent vraiment concernés. Il y a des gens qui rêveraient, quand il leur arrive une merde dans leur vie, d'avoir simplement un voisin, une seule peut-être personne, qui se sentent vraiment sincèrement concernés par leurs problèmes. Là, tu te retrouves dans des situations, t'as 10 frangins, si t'as besoin de 10 frangins, t'en as 10. Tout le monde, on est famille. Voilà, c'est comme ça, nous, la famille, c'est la famille. Demain, chez nous, il y a quelqu'un qui a un problème, on arrive. On essaye d'aider comme on peut, mais on laisse personne. Il y a un frangin qui est dans la merde à 400 km, on va pas chipoter, c'est pas, écoute, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas là, tu prends ta voiture et tu vas le voir. C'est cette amitié qui est sans faille. Je sais que je peux appeler, je sais qu'ils peuvent compter sur moi comme je peux compter sur eux. C'est une famille, vraiment une famille. On essaye surtout de penser à ses frères, plus qu'à nous-mêmes. C'est comme ça, le club. C'est vraiment une famille avec la vraie fraternité, quoi. Mais ça, c'est le temps qui dit tout, tu vois. Pour ça, j'aime pas trop le mot. Les gens d'entrée qui disent, ils font un club, ils disent le mot frère, c'est un grand mot. Mais quelle hauteur tu places à la barre, encore une fois? Pour toi, c'est quoi? Jusqu'où tu pourrais aller? Déjà, est-ce que tu te connais toi-même? Jusqu'où tu pourrais aller? Jusqu'où tu es capable d'aller, de te transcender? Jusqu'où tu te ferais mal? Au bout ou pas au bout? Je pourrais donner ma vie pour mon frangin. Je peux me fâcher avec lui le lundi, et le mardi, lui donner ma vie pour protéger, pour plein de choses. C'est ce que l'être humain a oublié d'être depuis toutes ces centaines d'années, quoi. On retrouve les valeurs mêmes de la base humaine. C'est une famille, tout simplement. Une famille qui, tout le monde surveille tout le monde fait attention à tout le monde, tout le monde aide tout le monde. Tout le monde s'appelle frère. Nous sommes tous des frères. C'est la vraie philosophie de notre club, c'est savoir qu'on peut compter sur tous les gars. Je suis sûr de compter sur eux à 100% et qu'ils peuvent compter sur moi à 100%. Il y a une solidarité, il y a une bienveillance, une générosité qui, de nos jours, est extrêmement rassurante, qui fait vraiment du bien dans un monde moderne qui est très égoïste.
C'est ça qui fait la force, en fin de compte. C'est quand tu te retrouves dans une société où la main gauche ne reconnaît pas la main droite, comment tu veux que ça avance ensemble? Alors que nous, on est tous comme ça. Une seule main, une seule voix, une seule parole, on est un groupe soudé. Mais ça fait du bien d'apprendre, de savoir qu'on a des gens qui s'inquiètent pour soi et qui sont là en cas de besoin, mais pas que pour des problèmes graves. Pour n'importe quoi, je peux appeler un frangin, j'ai besoin de toi, il sera là. Quand je suis rentré chez Bandido, j'ai un peu trop mis en avant mon côté bagarreur et tout. On m'a dit arrête, c'est pas ça qu'on cherche. Nous, on veut des gens qui ont du cœur. Et ce mot-là, je l'ai compris avec le temps. Et je m'en aperçois tout le temps que le cœur, c'est plus important que le reste. Quand t'as du cœur, tu peux tout faire pour tes frangins. Je le fais et ils le font. Et c'est pour ça que je suis fier d'être Bandido. On a une confiance sans faille entre nous. On ne triche pas. Dans ce groupe, on ne peut pas tricher. Et c'est là, c'est le plus important, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est qu'on est tous nous. Et on s'aime comme ça. Pour nos défauts, les qualités, on s'aime comme ça. On peut toujours être perdu dans la vie, mais on ne sera jamais perdu quand on est ensemble. Et je pense que c'est ça le plus important. Personne ne se ressemble. Ça fait que je les aime tous parce qu'ils sont différents, mais je m'aperçois à la fin qu'on fait bloc, on est tous pareils. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de religion, il n'y a rien de tout ça. On accepte la personne. En fait, c'est le personnage qui nous intéresse, ses valeurs, sa façon d'être, sa façon de réagir. On veut que, par exemple, son frangin, c'est son frangin. Point à la ligne. Si le cheval est la plus belle conquête de l'homme, la Harley Davidson est indubitablement celle du biker. Ce cheval de fer à 8 cylindres en V, fabriqué à l'origine à Milwaukee, est devenu au fil des ans la monture quasi exclusive de tous les bikers de la planète. Cette machine, mangeuse de bitume, est la monture idéale pour les grands espaces produisant une musique de feu et d'acier dont tous les chevaliers de la route raffolent. Je crois que la moto a remplacé le cheval des cow-boys. Quand on est sur une moto, ce vent qui souffle, ça fait partie de ce que connaissent probablement les marins. Une espèce de tout d'un coup, on va à la conquête de l'espace, de la route. Alors on est plusieurs, on vit un truc. Oui, on se sent libre. La moto, c'est une forme de liberté. On l'enfourche et on va où on veut. Moi, j'ai grandi dans une cité en banlieue est de Paris, tu vois. Le seul plaisir qu'on avait, le seul loisir qu'on avait, c'était de bricoler nos mobilettes et d'aller descendre en bécane. C'était le premier truc, il fallait avoir sa mob, quoi. Forcément, nous, quand on descendait à l'esplanade de Vincennes, où il y avait des gros rassemblements de rockers, les premiers bikers qui débarquaient avec les gros sarlets, les gros cheveux, les gros pannes et tout. Toi, t'es sur ta 102 et tu sais que c'est ça que tu veux avoir un jour, quoi. Donc, si tu veux, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours kiffé la moto. Ah, une famille de motards, déjà, à la base. Et l'Harley, étant gamin, je rêvais d'Harley, quoi. Jusqu'au jour où j'ai eu les moyens de me la payer, surtout. Donc, j'ai mis un bout de temps. Et moi, c'est 84, les débuts. Parce que je faisais de la moto, de la sportive, de l'enduro, tout ça. Et puis, tu viens parce que tu veux t'assagir, parce que tu as une compagne qui te dit il va falloir calmer le jeu, la vitesse, le reste. Mais tu veux pas lâcher l'affaire sur la moto, surtout pas. L'Harley, c'est les années 90. Je suis fan de super motard, de Grand Prix moto. Et j'ai mon meilleur ami Jean-Marie, lui, qui est fan d'Harley. Et on est vraiment très, très opposés tous les deux dans nos passions. Malheureusement, la route me le prend. Il disparaît. Et là, je lui fais la promesse de monter son rêve, sa moto, et qu'il partage à travers mes yeux tout ce que je vais voir avec sa moto. Pour réaliser son rêve qui, dans sa vie trop courte, qu'il n'a pas pu faire. Cette moto, je l'ai toujours. Je l'ai offert à ma femme pour ses 40 ans. Et je la garderai toute ma vie. C'est sa moto, à lui et à mon épouse Patricia. Il me moquait, je le charriais, je dis. Et là, du tout au tout, je me suis appris à travailler des clés américaines, des pas de vis inconnus pour moi, les styles. Et de là, les années 90, pas trop de gens qui roulent en Harley, je rencontre Bramble, je rencontre 2-3 amis et on devient un noyau dur. On ne se quitte plus jamais. Quand j'ai 13 ans, mon père me montre Easy Rider. Donc, et le truc qui me marque le plus, en fait, c'est la position
des mecs sur la moto. Et je me dis, c'est une position ouverte sur le paysage, ouverte sur le monde. Et c'est ça que je me dis, mais moi, je veux voyager dans cette position-là. On imagine, dès qu'on met le cul sur son Harley, qu'on va attaquer l'Ouest américain. Voilà. Et ça, alors, est-ce qu'on est empreint de l'image américaine? Évidemment, des films qu'on a vus, évidemment. Mais pour beaucoup, Easy Rider, notamment, était un vrai choc. Et ça les a emmenés à l'Harley Davidson parce que c'est une autre façon de voyager et de voir le monde. Ta machine, elle te ressemble. Donc ta machine, ça fait partie de toi. C'est fusionnel, en fait. Dis-moi la moto que tu as et je te dirai un petit peu comment tu seras. J'ai toujours roulé avec des motos un peu atypiques. La moto qui sort d'usine, elle ne te ressemble pas, donc tu es obligé de la transformer à ce que tu veux, à ce qu'elle te ressemble. C'est pas des motos où tu m'as-tu vu, c'est pas ça du tout. Alors il y a des gens qui disent, à cette moto, voilà, le mec, il se la pète. C'est pas du tout pour se la péter, c'est la moto que tu veux, toi. Et avoir des longues fourches, avoir des trucs un peu atypiques, voilà, ça me ressemble. Faut qu'il y ait une certaine osmose. Ma femme n'est pas là, heureusement, mais c'est plus que ma femme. Ma machine, elle m'appartient, elle fait corps. Et moi, je m'arrête à un feu, je caresse ma machine. Je lui parle. Dès que j'achète une machine, pendant une heure, je roule. Pendant une heure, je lui parle. Je les ai depuis très longtemps, c'est quelque chose auquel je tiens énormément. Je ferai tout pour jamais m'en séparer. Et c'est vraiment, autant je peux les délaisser quelques mois, autant je peux y travailler jusqu'à 5 heures du matin pour que tout rentre en ordre assez rapidement. Elle fait corps, déjà. J'en ai changé plusieurs fois, parce que mes goûts ont évolué dans un sens ou dans un autre. Et puis bon, voilà, je la connais par cœur parce que bon, je bidouille pas mal aussi. Moi, je la considère comme ma partenaire, hein, quelque part. Parce qu'il y en a qui vont privilégier le confort, d'autres privilégier l'esthétique. Chacune a l'image de son pilote, quoi. C'est vrai qu'elle nous ressemble. Pour la plupart, tu l'as construit, ou en tout cas, tu la modifies à ton image. C'est quelque chose de presque sensuel. C'est un partage, c'est comme quand tu regardes ta femme et que tu la trouves belle. Hein. Quand on a besoin d'un coup de main, on n'hésite pas à demander conseil. On s'entraide, on va chercher les pièces pour l'un, pour l'autre. On demande des conseils aux plus expérimentés, pour savoir si ça peut rouler, si ça va casser. Si... Le plaisir, c'est de passer des week-ends à bricoler sur la moto, à la faire à son goût, et après de partager ce qu'on a réalisé aux autres. Ta moto te ressemble. À partir du moment où tu te fabriques une moto, c'est ton identité. Donc tu peux avoir, et c'est là où tu respectes. C'est ça, dans ce milieu-là, c'est que tout le monde se respecte, parce que c'est le plus important. Et tu peux respecter quelqu'un qui a une moto que tu vas trouver, mais quoi, complètement anachronique, ou une moto qui te dit, mais c'est la moto du gars. Et tu te dis, et ouais, et ma moto, c'est ça. C'est que ma moto me ressemble. Pour un biker, sa moto, sa Harley, c'est une compagne, évidemment. Mais bien plus qu'une machine, c'est une véritable œuvre d'art dans laquelle il met toute sa personnalité, toute son âme, et le supplément d'âme, c'est essentiel.
Ben, un gris, c'est un mécano qui est dans le milieu de la moto, mais qui n'a pas d'enseigne. Donc, on fait la mécanique moto, on fait... Moi, personnellement, je fais 95% de Harley-Davidson. Mes clients sont satisfaits de ce que je fais. J'ai pas d'enseigne Harley-Davidson. Ben, les gens viennent me demander surtout, c'est de customiser leur moto par rapport à leur image, rabaisser, de faire des peintures perso, de mettre des guidons larges, avoir une moto qui les représente, quoi. Les clubs, oui, je préfère venir voir les grilles. Puis mes clients, ben, ce qui est mieux, c'est qu'on peut discuter avec le mécano, savoir l'attente qu'on en attend. En une concession, tu vois, chef d'atelier, tu vois, magasinier, ça n'a rien à voir, quoi. Chaque fois que les travaux avancent, je peux me permettre d'appeler les clients qui viennent voir, discutent de ce qui plaît pas, ce qui va pas, quoi. Le plus gros chantier que j'ai fait, et c'est monté à 30 000 euros, mais oui, ça va. Toutes les bourses, on arrive à obtenir faire une transformation pour pas cher, petite transformation, ou alors des grosses transformations, oui, qui montent à des motos à 30 000 euros, quoi. Il n'y a pas de prix. Après, c'est une question de ton portefeuille. Le chantier, quand il avance, oui, j'arrive à imaginer des choses. Donc, j'en discute avec les clients, on voit ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Mais c'est vrai que, oui, je prends mon pied à faire les transformations. C'est quand même y a un côté attirant, tu vois. Et puis, c'est très souvent les bad boys, entre guillemets, qui ont des gros cœurs aussi, tu vois. Donc, il y a ce côté tendre, il y a ce côté... Et puis, moi, personnellement, depuis l'âge de 17 ans, 18 ans, j'ai eu les cheveux longs. J'ai toujours mis des jeans, des bottes. Et tu t'aperçois que quand même, même dans certains milieux, bah, ça plaît. Ça plaît aux filles, quoi. C'est un style qui plaît aux nanas. J'ai toujours été convaincu que les mauvais garçons étaient c'est toujours ceux qu'on avait envie de fréquenter. Hein. Au même titre qu'à l'école, il n'y avait que les cancres d'intéressants. On est rarement copains avec le premier de la classe, ou alors on l'est soi-même. Mais en réalité, les gens les plus intéressants sont souvent les gens qui vivent à côté. Il y a évidemment un désir de ressemblance. Quand on a vu Steve McQueen, Marlon Brando, Johnny Hallyday, j'en passe, et des meilleurs montés sur ces genres de machines, on s'identifie. Il y a évidemment une image extrêmement percutante de la vérité. Évidemment qu'il y a un désir de ressembler à. Il y a ce mythe tellement séduisant du mauvais garçon, un esprit rebelle mais chevaleresque. Il a été porté au cinéma et dans la vie par quelques icônes qui ont beaucoup fait pour la cause dans le monde entier. Ces icônes n'ont pas fait qu'influencer les amateurs de moto, elles ont également, et de façon massive, modifié les indispensables des dressings des fashion victimes. Il y a dans l'équipement d'un chevalier biker des basiques mythiques. On retrouve sur le dos de toute une foule d'êtres humains et à travers la planète des couleurs qui ressemblent à peu près à celles des MC, portés par des gens qui n'ont même jamais mis leurs fesses sur une moto. La vie d'un biker sans la moto n'a strictement aucun sens. Donc vouloir arrêter la moto, à part pour des problèmes de santé, pour un biker, cela ne signifie absolument rien. Pour tout dire, c'est ce qu'on peut annoncer de pire à un biker, qui ne fera plus jamais de moto. Et tenter d'enlever à un passionné ce qu'il a eu l'habitude de chevaucher pendant presque toute sa vie, c'est extrêmement compliqué. On a vu des vieillards de plus de 80 ans rouler en Harley, avec la barbe jusqu'au nombril, et c'est un spectacle totalement magique. Pourquoi ? Parce qu'il veut dire que personne dans l'univers des bikers n'a la moindre envie de lâcher ça. Il faut
Enfin, ce que ça m'apporte, ce que je trouve et ce que j'ai envie de faire dans la nation fait que pour l'instant, je ne conçois pas effectivement de quitter le club. Quoi. J'en ai absolument pas envie. Et à la limite, j'ai un seul regret, c'est de pas être rentré chez eux plus tôt. C'est mon club, quoi. C'est ma famille. Moi, pour moi, ça sera toujours ma famille. Je vis des gens magnifiques dans ce club-là et j'en vois encore tous les jours. Et il y a des gens qui ont fait des choses pour d'autres, ou même pas dans une famille de sens, ça se fait. Je suis très attaché à tous ces gens qui font partie de ce club. Et surtout que ça s'arrête jamais, quoi. Que l'histoire s'arrête jamais, quoi. Et qu'on la vive le plus longtemps possible. J'essaie de m'en écarter et je vois que je peux pas. C'est plus fort. C'est des fois contraignant, mais ça apporte tellement de choses à côté. On sait pas ce que nous réserve la vie, hein, côté maladie, accident, on sait pas. Aujourd'hui, être bandit, c'est ma façon d'être et c'est ma vie. Il n'y a aucune raison de quitter le club, quoi. C'est magique. Je peux même pas te définir ça, c'est vraiment une façon de vivre, quoi. Même si pour des raisons XY, t'es plus un Lost Boy sur la route, tu fais partie de la famille Lost Boy à vie, quoi. Je crois que plus on avance, plus on vieillit, et plus on a envie de rajeunir. Tant que je serai debout, peut-être que j'aurai besoin de cannes, mais sur la moto, il n'y a plus de cannes. On a tous des chemins de vie où des fois c'est compliqué. Et c'est bien que tes amis ou tes frères soient là. Donc à travers la moto, j'ai rencontré des gens extraordinaires, ça c'est évident. Et après, je peux pas vivre sans ça. C'est l'amitié qu'on se porte. Et je suis vachement fier qu'on soit ensemble et qu'il nous reste encore plein de merveilleuses choses à vivre et à se raconter. Puis j'ai un premier nom de famille, ça c'est mon deuxième nom de famille. Je sais pas faire autre chose, de monter sur une moto et je me suis pas posé la question, quoi. Je sais pas, moi c'est un virus. Ça fait partie de ta vie, tout simplement. Je ferai toujours de la moto. Ça c'est clair et c'est net. Lost Boy forever, forever Lost Boy. Biker jusqu'au bout. Je crois que l'homme est fait pour vivre en clan, en tribu, et que de plus en plus, on va vers des gens qui partagent les mêmes valeurs. Mais là où il faut se poser la question, c'est pourquoi le monde de Harley Davidson avec ce que ça véhicule, et notamment le monde biker, pourquoi cette population grandit de manière exponentielle avec les années? C'est incroyable. Dans les années 90, on trouvait quasiment plus de bikers. On pouvait imaginer que le monde biker allait tomber. Harley Davidson, enfin la moto en règle générale, tombait dans une forme de désuétude. Et aujourd'hui, il y a un retour en force, c'est même assez impressionnant de voir à quel point la population biker grandit d'année en année. Finalement, on se pose souvent la question, est-ce que le biker, quelque part, a un avenir politique, j'allais dire? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu des gardiens de la liberté. C'est un phénomène social, mais qui n'est pas lié du tout à la moto qui est utilisée, même si elle est magnifique et qu'elle est belle et qu'elle est indispensable. Je crois plutôt que c'est parce que ça véhicule un certain nombre de valeurs dans lesquelles de plus en plus de gens se reconnaissent. Moi, je pense que ça véhicule un certain nombre d'idées essentielles.